Eh ben, salut à tous! Bienvenue dans ce nouveau numéro sur ce Let's Play sur Destiny. On va continuer à se faire une mission aujourd'hui, comme d'habitude. Alors, on est rendu où déjà? Alors, oui, comme vous avez pu voir dans un unboxing, je vous ai montré le collector de Destiny et j'ai rentré les packs. Alors là, il doit y avoir des trucs. Alors, il y a des nouveaux trucs. Et là. Mais on y revoit plus tard. Pour moi, c'est ce qui nous intéresse. C'est la nouvelle mission. C'est la mission. Le niveau 5. Normal. Ouais, le dernier relais. Alors, et ça, je sais pas ce que c'est. C'est un truc à débloquer, je pense. On verra ça plus tard. Et ça, c'est quoi? Ok, bah écoutez, on va aller là. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. J'enchaîne les enregistrements ce temps-ci pour vous faire de la qualité. On a signalé un groupe de gardiens dont le signal a été perdu près du relais cosmique. Ils étaient en mission pour l'Astre Mort et avaient trouvé les codes d'un relais caché, capable de nous connecter aux autres colonies du système. Si nous trouvons leur spectre, nous pourrons peut-être l'ouvrir. Le dernier signal émis par les spectres a été capté près du relais cosmique. Allons-y et tentons de les retrouver. Le seul point négatif que je trouve au jeu, c'est répétitif. Je veux dire que... quand on commence une mission, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit en premier? Comme toutes les autres missions, on voit le passage dans le vaisseau, dans l'espace. Pour que expliquer ce qui va nous arriver et on arrive tout de suite dehors dans la mission et on dirait le même décor des autres missions. Ça, c'est le point positif de mon côté personnel. Voilà, hop, putain de ça, voilà. Je l'ai niqué, comme ça c'est fait. Bon, ah, si je comprends bien, il faut aller là-bas. D'accord, on y va. Ah, il peut voler, ça c'est bien parce que c'est super pratique. Ah, j'ai mis un chronomètre à côté de moi pour savoir quoi, combien de temps on a en vidéo. Pour éviter de faire des vidéos de 3 pompes. Les seules vidéos de 3 pompes qui durent, c'est Uncharted. Et les plus courtes, c'est ça, et puis c'est tout en fait. Alors, cherchez pas. Putain, mais je connais cet endroit. Catherine! Ah non, c'est capitaine. Oui. Putain, il va me défoncer. Nous allons passer par le terrain de nidification de la ruche. Selon l'avant-garde, elle se répand jusqu'à la surface, ce qui tient les déchets occupés. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Bon, c'est vrai qu'il est répétitif, mais sinon il est bien, je trouve. Hein. Après, l'histoire est pas mal, je trouve. Après, je sais pas si c'est les mêmes avec les différents personnages. Bon enculé. Putain, ils sont partout sans plus. Bientôt niveau 5. On m'a dit que moi le. Ouais, bah c'est niveau 5. On m'a dit que moi le niveau maximal était 20. Bah, pour moi dans le jeu, de façon débloquée. Okay. On va les améliorer, comme ça sera fait. Merde. T'as me niqué cet enculé là. Cette puissance attaque de mêlée absorbe l'énergie des ennemis et utilise pour réduire le délai de récupération de votre grenade. Ok, on va tester. Alors je ferai peut-être une mission en coopération avec un youtubeur, je sais pas encore. Parce qu'il faut que je vois ça avec lui quand il peut être libre. Enfin, c'est un Louis, hein, c'est un garçon bien sûr. Parce que je connais pas encore de youtubeuse qui a ce jeu. Connard. Pour moi, c'est assez facile, hein, je trouve. Je détecte encore les spectres. Ils ne sont pas très loin d'ici, entre les bâtiments. Ouh, un truc qui tombe. Attendez. Nulé. Parce qu'en fait, j'ai mon chronomètre à côté de moi, et c'est pour savoir combien de temps il est rendu. C'est pour ça que je regarde en même temps mon chronomètre. Parce que normalement j'ai l'application pour mon Avermedia, mais elle veut pas marcher. C'est ça qui m'énerve. Ah, il y a des gens. Alors. Ok. Les spectres sont toujours là. Les déchus les ont. Ouais, bon, on va se casser. Bonjour, vous vous promenez ? Vous êtes dans ma partie, vous passez sur YouTube, bonjour. L'univers il me fait penser à Borderlands. J'ai dit peut-être une connerie. Hein. Bon, on va l'aider. Il est mort. Cherchez encore. Rien. Trouvez-en un autre.
Alors je peux pas dialoguer avec eux, hein, j'ai pas le... Ah oui. Celui-ci a encore les codes. Trouvons le relais. Ah, j'ai trouvé. De pute, putain. Alors peut-être que quand j'aurai fini le jeu, je vais quitter partir multijoueur, parce que c'est vrai sur ma chaîne, j'ai jamais encore fait partie multijoueur sur un certain jeu. J'avais toujours dit que je fais des trucs comme ça, puis ça je prends jamais le temps à le faire. Putain, faut aller où? Ah, c'est là-bas. De pute, t'es un fils de pute, t'es un connard. Il n'y a plus de bol, là. Ouf. Les ténèbres sont de plus en plus puissantes. Ah, les spectres et les gardiens tombent comme des mouches. Il faut en finir. La station relais est dans le secteur suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, alors en plus déjà, j'ai pas beaucoup de balles. Putain, faites pas chier, mec. Allez. Ah, vous me demandez pas pourquoi je vise en même temps, hein, c'est une habitude. Même dans les Call of Duty, c'est pareil, je fais ça. Ah, je vous ferai aussi peut-être sûrement aussi un let's play sur le nouveau Call of. Je vais enlever les missions du Ghost que j'ai commencé sur ma chaîne. Parce qu'il y a des jeux que j'ai commencé que j'ai jamais fini. En fait, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai la flemme en fait. Dégage. Ah, je lui ai explosé le crâne. Connard. Bon, ça va, ça, on monte vite en niveau. Attendez, je regarde un truc. Ça va, ça doit faire 15 minutes qu'on joue. La station relais n'est plus très loin. La voilà. Je sais que les missions sont assez courtes dans ce jeu. Les seuls points aussi négatifs, ils sont courtes. On est... Oh, allez, ta mère.
On est sur une planète Terre. Je crois qu'il y a trois planètes. Il y a Mars et la Lune. Putain, il y a plein de mecs. T'es crevé quand même. T'as un vandale, dégage, connard. Putain, t'as vandalisé les gens. Enculé. Ouf. Reprendre la vie. Voilà. Ils ont gardé le même style que... Que fils de pute. Putain, merde, j'ai plus de balles. Oula. Hé hey. T'es qui? Dégage. Ouf. Ah, connard. Qu'est-ce qui... Non. Non. En plus puissante. Les spectres et les gardiens tombent comme des mouches. Il faut en finir. La station relais est dans le secteur suivant. On va faire un truc avant. Tous en retaper là. Bon, je dirais, tant mieux. Je gagne de l'expérience. La station relais n'est plus très loin. La voilà.
Pouf. C'est con, putain, pourquoi j'ai fait ça? Vite hein, quand même hein. Regardez mon niveau, ça monte vite hein. Bon, maintenant il faut que je fasse gaffe maintenant. Ils ont même des noms bizarres les mecs hein. Rebut, on dirait un nom de jeu. Bonjour, viens, on va jouer au rebut. Ah bon, c'est quoi le but du jeu? Bah, on va jouer au rebut. On va se casser là. Je les aime pas ces bestioles là. Oh putain! Non! Oh, j'en avais tué un, putain. Même pas. Les ténèbres sont de plus en plus puissantes. Oh, ta gueule, putain. Les spectres et les gardiens tombent comme des mouches. Il faut en finir. La station relais est dans le secteur sud. Putain, merde, ça y a pas de. Putain, je vais être trop à la bourrin.
La station relais n'est plus très loin. La voilà. Bon, faut pas que je fasse second, hein. Regardez le supercharge pour... Attendez. On va attendre que... Putain, c'est pas des petits robots de merde qui vont me tuer quand même. Mais... Putain! Putain, ils sont là en plus. Il y a un autre qui me tire dessus, mais je voulais. T'es pareil, toi? Plus chiant. Oh. Oh oui. C'était beau ça. Comment déniquer? On va se mettre là parce qu'il y a des mecs. Eh, je suis là. Hein. Voilà le système de commande. Non. Ta gueule. Je pensais qu'on allait tuer Kunky.
J'examine les cryptosystèmes. L'intégrité du réseau. Une demi-heure pour faire un jeu. Là. Ça marche. Ça marche. Le relais, il s'ouvre. Incroyable. Ça s'active. Les vaisseaux sarcophages. Ne traînons pas. Oui, mais... Je m'attendais pas à ça, dis donc. Ouh, c'est chaud. Oh, une prêtresse, dis donc. T'es où, toi, salope? Viens là, toi. Eh, hey, belle-mère! Ouais, je sais, vous avez manqué. Tiens, connasse, t'es morte. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai fait n'importe quoi là. Bon. Dehors, le relais. Oui, mais il s'ouvre. Oui, pas. Incroyable. Ça s'active. Ta gueule. Hein. Les vaisseaux sarcophages. Ne traînons pas. Ouf. Ça, on va en plus se mettre ici. Thank you.
donné la vie. Je les ai niqués. Et y'a combien de rounds là? Ils vont se calmer un petit peu là? Putain, c'est quoi ce jeu? Seul moyen. Il fallait aller dans le tas. J'imagine même pas en ultra difficile quoi, légendaire quoi. Ah merci. Vous devez voir ça. Rasputin en a le contrôle. Le dernier esprit tutélaire. Il me refuse l'accès. Et il est relié à des structures défensives partout dans le système. Nous trouverons peut-être quelque chose. Quelque chose qui puisse nous aider à survivre aux ténèbres. Bah voilà, on a enfin fini cette putain de mission. Wouah. Je sais pas où ça va nous amener tout ça. Ah, j'ai gagné énorme. C'est cool tout ça.
bientôt niveau 6. Ah, je sais pas si il va y avoir une intro ou quoi. Alors, on va améliorer tout ça. Il est là, prends-tu là. On va tester celui-là. On peut toujours tester, hein. Je préfère mettre mon arme. Bon, bah la prochaine fois, on se fera une autre mission. Hein. Parce qu'apparemment, on a tout fait. Ah, on a tout fait sur la Terre. Ouais, bah écoutez, la prochaine fois, la prochaine fois, on ira ici, sur la Lune. On ira sur la Lune et puis on fera les missions sur la Lune. Et on va aller faire peut-être un petit tour ici. Non. Il y a un truc qui me chiffonne, c'est ça, c'est quoi? Bon, enfin bref, on a terminé le passage sur la Terre. Maintenant, on va passer directement à la Lune. Et puis après, je pense qu'il doit y avoir Mars. Truc comme ça par là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. La vidéo aura duré à peu près 40 minutes, je pense, à mon avis. Voilà, 44 minutes. Même moins, peut-être moins, je sais pas trop encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine alors. Et je vous dis, laissez des commentaires, partagez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et à bientôt. Ciao.